Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, un rituel, on me l'a demandé de séparation pour deux personnes. Ça peut être en amitié, ça peut être un couple, ça peut être... comment dire? Mais ce rituel, vous ne pouvez le faire que si votre amour pour cette personne est pur. Donc, retenez bien ce que je vous dis. Si c'est pour avoir, ça peut pas être de la vengeance, ça doit être de l'amour pur pour la personne que vous voulez séparer d'une autre personne. Vous comprenez? Un amour vraiment où vous sentez que c'est la personne de votre vie. D'accord? Ou si c'est pour séparer quelqu'un que vous connaissez, un couple, quelqu'un que vous connaissez, c'est un ami ou une soeur, un frère, tout ça. Votre amour doit être pur vis-à-vis de votre frère ou de votre sœur. Ou... Voilà, j'espère que vous me comprenez. Sinon, vous me mettrez un commentaire pour me dire si vous avez bien compris ou si vous n'avez pas compris certaines choses. Alors, avant de vous dire ce dont on aura besoin, vous pouvez me joindre ici pour des rituels personnalisés ou les formations qu'il y a, la loi d'attraction, des rituels, tout ça. Sinon, tout est sous la vidéo dans la description. Uniquement sur ce WhatsApp, vous m'envoyez un message, pas d'appel s'il vous plaît. Parfois je suis occupée et donc ça pourrait me gêner quand je fais des rituels ou des choses comme ça. Et ici l'email. Uniquement ici. Si vous me contactez ailleurs, vous risquez que ce ne soit pas moi. Donc c'est à vos risques et périls. Donc uniquement cela. Et quand vous me contactez sur ces numéros que vous voyez dans la vidéo, vous entendez ma voix, vous me reconnaissez. Ne me demandez pas si c'est bien moi, puisque si vous avez bien noté le WhatsApp, eh bien, ou l'email, ben, c'est que c'est moi, si vous l'avez vu dans la vidéo, sur ma chaîne YouTube, ce qui est logique. Je vois encore qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés ou pas qui regardent les vidéos ou qui n'ont pas activé la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc faites-le, il suffit d'un live, d'un rituel. Je fais des lives aussi tous les mardis, jeudi et samedi. Où vous pourrez me poser vos questions en live, tout ça, donc profitez-en. C'est le moment et mettez activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Comme ça, quand il y a un live, vous êtes prévenu. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour ce rituel? On aura besoin d'aluminium. On aura besoin d'un verre vide. On aura besoin de deux papiers blancs. Deux papiers blancs, ça peut être ligné, ça peut être quadrillé, ça peut être sans rien du tout, ça n'a pas d'importance. Ensuite, du sel, un bic évidemment, et alors, je vous explique, de l'alcool. Alors, soit de l'alcool chirurgical, soit de l'alcool que l'on boit, hein, je sais pas, la vodka ou du. Et au pire, si vous n'avez pas du parfum, dans le parfum, il y a de l'alcool. Mais c'est quand même mieux de l'alcool ou alors de l'alcool de cuisine, comme il n'y aura pas de feu ou de bougie près de ça, on risque rien. OK? Donc, on va déchirer les deux papiers, tous les bords. Deuxième papier également. Pour ceux qui me rejoignent seulement maintenant, vous voyez, les deux papiers sont, les bords sont déchirés. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous procurer, si ça vous intéresse, mes livres sur des rituels sur Amazon. Vous verrez la vidéo, il y a les liens directs. Sinon, vous allez sur Amazon et vous tapez Faraki, vous trouverez les rituels. Donc, il y a celui-là. Celui-là, il y en a bientôt un qui va sortir à nouveau. Dites-moi d'ailleurs quels sont les sujets qui vous intéressent aussi de rituels en livre. La loi d'attraction, la formation. Là, vous allez voir, c'est vraiment c'est top. Je vous recommande de prendre tous les livres parce que on en a besoin. On a tous besoin. Moi, ce sont des choses que j'ai étudiées. Comment devenir femme fatale en 21 jours? Donc, c'est un livre de coaching avec, il y a des surprises dedans, je ne vous en dis pas plus. Et également aussi, comment sortir d'une relation toxique en 21 jours. Il y a aussi des surprises sur les livres.
suis en coaching avec vous et où vous aurez des choses à faire aussi. Voilà. Alors, sinon, il y a les formations en ligne aussi de ces livres. C'est bien d'avoir les deux. Enfin, il y a une formation en vidéo. Alors ensuite, vous allez écrire le nom et le prénom de la personne. Donc, son nom et prénom. Ok ? Son nom et son prénom. Alors, donc, de la personne que vous voulez qui se sépare de cette personne. Donc, par exemple, si c'est votre fils, mettez le nom et le prénom de votre fils, donc de la personne à laquelle vous avez un amour pur. D'accord ? Sur l'autre papier, vous allez mettre le nom et le prénom de l'autre personne. Donc, celle qui veut que vous voulez séparer. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, j'ai pas son nom. Si vous n'avez pas son nom de cette personne, la personne que vous aimez, d'ailleurs, vous allez mettre un cœur, comme ça, on ne va pas se tromper. Personne que vous aimez d'un amour pur, vous les séparez. L'autre personne, son nom et prénom. Si vous n'avez pas son prénom, son nom, eh bien, mettez juste son prénom et une caractéristique. Mais essayez quand même d'avoir son nom. Ou sinon, si vous avez son signe astro, renseignez-vous sur les réseaux sociaux, on trouve tout. Donc, voilà, ok? Alors, ensuite, on va mettre les papiers ensemble, mais pas comme ça, pas avec les noms comme ça, puisqu'on veut les séparer. On va les mettre comme ça, donc avec les bleus blancs. Donc, il y a le nom de la personne que vous aimez, d'un amour pur, et l'autre personne. Donc, il faut que ce soit séparé, j'espère que vous faites bien comprendre. Donc, vous avez les deux noms ici. De l'autre côté, ben, y a rien, c'est blanc. Donc, vous les mettez comme ça. Donc, il y a son nom, le nom de la personne avec laquelle vous les séparez. C'est la personne que vous avez un amour pur pour elle. OK ? Voilà. Ensuite, on va rouler le papier comme ceci. OK ? Voilà, rouler le papier. On va mettre le papier dans le verre vide. Alors, il va un peu se détacher, c'est normal. Okay. Ensuite, vous allez mettre du sel. Ensuite, vous allez visualiser, toucher le verre et penser à ce que vous voulez de la séparation. Et ensuite, vous allez mettre... Bon, là, je ne peux pas... ouvrir ce qui est un plastique, c'est difficile. Vous allez mettre, c'est un spray, l'alcool. Ok ? Si c'est un spray, vous le mettez sur le papier. Sinon, essayez de mettre pas mal d'alcool quand même. Hein. Ça sent bon en tout cas. Donc, ensuite, vous allez couvrir le verre d'aluminium. De l'aluminium. Ça peut être un bol, mais ça doit être transparent. Ok ? Ça peut être un bocal, comme vous voulez. Vous allez visualiser encore, vous touchez le verre pour qu'il se sépare. Et vous allez laisser ça 10 jours. 10 jours chez vous, dans votre chambre, dans un lieu où vous allez souvent. Dans le salon, moi je pense que c'est la chambre où vous serez le plus souvent, parce qu'on dort plus souvent dans une chambre. Et ensuite, pendant 10 jours, après 10 jours, vous allez retirer l'alu. Vous allez prendre le papier. Et le papier, vous allez le jeter dans une poubelle à part de vos poubelles. D'accord ? Et s'il reste un peu d'alcool, normalement, il aura dû un peu s'il reste un peu d'alcool, c'est pas grave. Donc, vous jetez et vous lavez le verre. Et donc, n'oubliez pas de bien faire le rituel. Regardez 2-3 fois la vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez me contacter pour des rituels personnalisés que je ferai, ça colle pour vous,
donc seulement à cet email ou ce WhatsApp uniquement. Allez, on se retrouve pour un autre rituel. Bisous, bisous.